L'Église est le corps de Christ composé des enfants de Dieu. Elle est sur la terre pour coopérer avec le Saint-Esprit pour le salut des âmes. Une entreprise salvatrice qui implique la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la libération des hommes de toute forme de captivité et d'oppression maléfique et leur restauration dans tous les projets de bonheur que Dieu a conçus pour les hommes depuis l'éternité. Pour ce faire, l'Église mène au quotidien une guerre contre le royaume des ténèbres pour le salut des perdus et la libération des captifs, comme le pasteur Boniface Meynier l'a rappelé au cours de la 5e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchékoua 2024. Il y a une guerre dans le monde. There is a warfare in the world. L'Église de Jésus de Nazareth. The Church of Jesus Christ of Nazareth. Est en guerre contre l'Église du diable. Is in a war against the church of the devil. Le but de la guerre de l'Église c'est de prendre les pécheurs et les mettre dans le royaume de Dieu. Ils ne s'occupent même pas du diable. The goal of the war of the church is to carry the sinners and transfer them to the kingdom of God. They don't care about the devil. C'est Jésus qui gère le dossier de Satan. It is Jesus who handles the file of the devil. Jesus said, comme mon père m'a envoyé, as my father has sent me, moi aussi je vous envoie. So I sent you. L'Église, the church, doit juger les puissants des ténèbres. Must judge the power of darkness. Doit combattre les principautés. Must fight against principalities. C'est pour ça que le frère Zach a combattu contre les trois princes sataniques. That is why brother Zach fought against three satanic princes. Et il a remporté la victoire au nom de Jésus. And he overcame by the name of Jesus. Et il est parti dans la gloire se reposer. And he went into glory in order to rest. Réunis depuis le 1er juillet à Tchékoua, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les saints de la CMCI sont donc en train d'œuvrer activement à l'exécution de toutes les dites responsabilités vis-à-vis des besoins substantiels des hommes. Pour ce qui concerne le salut des âmes, déjà 540 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ sur les 5 jours déjà écoulés. Fruit de l'investissement des saints dans les invitations massives des âmes, couronnées par la proclamation quotidienne de l'Évangile à laquelle s'applique l'orateur à chaque session. Si tu es là, if you're here, que tu es venu vraiment chercher Dieu, that you truly came to seek God, et tu ne veux pas rentrer avec le diable, and you don't want to go back with the devil, tu es venu prier avec les enfants de Dieu, you've come to pray with the children of God, tu dois savoir, you must know, que Dieu veut que tu laisses ton péché. That Jesus wants you to forsake your sins. Tous ceux qui sont séparés de Jésus. Everyone who is separated from Jesus. Doivent se repentir pour devenir propre. They must repent in order to be clean. Si tu veux marcher avec Jésus. If you want to walk with Jesus. Tu te repens de tous tes péchés. Relativement aux éditions précédentes, on peut noter un progrès dans l'investissement des saints pour le salut des âmes et la préparation particulière de cette édition 2024 marquée par une croisade de nuit de prière d'une vingtaine de jours en est bien évidemment pour quelque chose. En effet, un comparatif statistique montre une avance de 120 personnes supplémentaires par rapport aux âmes gagnées à la même période de l'édition précédente. Au 5 juillet 2023, qui a vu la 5e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 15e édition, enregistrait 421 personnes. Pendant qu'en cette 16e édition, déjà 541 personnes ont été déjà conduites à Christ de l'ouverture à la date du 5 juillet 2024. Des statistiques qui illustrent le fait que cette 16e édition honore avec un bon supplémentaire, l'objectif principal des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, à savoir le salut et la délivrance des familles. Il y a de quoi, car le pasteur Boniface Meynier, l'orateur principal, a l'habitude de rappeler au fil de chaque édition que la part de Dieu au cours de ce programme, ce sont les âmes gagnées à Christ. Conscient de cela, les saints continueront certainement à inviter leurs parents, amis, collègues et connaissances à chaque session. Et cela pour participer à la grande moisson attendue à cette 16e édition qui devrait certainement gravir des échelons supérieurs comparés à celles des années précédentes. Pour rappel, les trois dernières éditions ont enregistré respectivement 3564 âmes en 2021, 3640 personnes gagnées à Christ en 2022 et 3887 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ en 2023.
vivement qu'au moins 10 000 âmes se convertissent à notre Seigneur Jésus-Christ en cette 16e édition.